Yo tout le monde, c'est Persei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ne tomber que contre des bots dans Clash Royale pour obtenir environ 1000 trophées par heure. Vous gagnez tous vos duels à coup sûr. N'oubliez pas de mettre un like, des commentaires et de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toute l'actualité de Clash Royale, avoir de nouveaux glitchs. Let's go! Ok, donc ça va être une vidéo assez rapide en fait, c'est hyper simple. La seule chose à faire, c'est quand vous cliquez sur combat et que vous voyez afficher le décompte délai d'attente estimé, c'est que le jeu est en train de vous chercher un autre vrai joueur. Et dès que vous voyez ça, vous annulez tout de suite et vous relancez combat jusqu'à ce que en fait, la game se lance tout de suite, et ça voudra dire que c'est un bot. En fait, le premier indice que vous affrontez un bot, c'est que généralement il a pas, enfin, il a même jamais de clan, et il est nul, il attaque n'importe comment et vous gagnez à coup sûr hyper facilement. Donc ça c'est la théorie et je vais vous montrer en pratique comment on fait, c'est hyper simple. Donc vous allez cliquer sur combat et dès que vous voyez marqué délai d'attente estimé, ah bah là on l'a pas, on l'a eu tout de suite. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a pas eu marqué délai d'attente, on est tombé tout de suite contre un bot, donc il n'y a pas de clan. Et on va là, déjà il joue pas et on va commencer la partie, on va voir qu'il va rien se passer, il va jouer un peu n'importe comment. Voilà, il a mis ça. Là, on voit surtout les sorts, il met ses sorts n'importe comment. On a vu la boule de neige. Donc, je vais pas continuer la partie, je vais pas vous montrer la fin de la partie, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais vous montrer, on va réessayer une deuxième fois pour que vous voyez bien comment ça marche. On se retrouve à la fin de la game. Donc voilà, j'ai bien gagné la game, hein. J'ai eu mes trophées en plus et mon coffre en plus. Donc on va recommencer, je clique sur combat, j'attends, recharge d'affaires. Et là, délai estimé, vous avez vu, j'annule. Combat, délai estimé, j'annule. Je recommence, délai estimé, combat, délai, ok, là y a, ça s'est lancé tout de suite, et on voit que y a pas de clan, c'est encore un bot. On va faire le début de la partie pour que vous puissiez bien voir, et voilà, c'est une technique hyper simple, et ça vous assure de gagner la game, et d'avoir vos couronnes et vos trophées directement, c'est hyper top, c'est hyper bon. Voilà, encore une fois, j'ai gagné la game, 3 couronnes, hyper facile. Donc bien sûr, vous avez des bots de plus en plus forts en fonction de votre arène, mais avec un deck classique, ils sont hyper facilement battables. Donc voilà, c'est une super astuce pour gagner des trophées hyper rapidement, vous faites ça en boucle et par heure, vous avez énormément de trophées. Voilà pour moi, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'astuces et de tutos comme ça, pour suivre toute l'actualité Clash Royale et sur d'autres jeux. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!